S'il y a une pratique artistique qui s'est bien enracinée au Burkina Faso, c'est bien le théâtre d'intervention sociale ou le théâtre pour le développement. Chaque année, lors du concours de théâtre Forum, on peut observer une effervescence de ces pratiques artistiques. Ainsi, pour l'édition 2017, une dizaine de troupes ont participé à ce concours de théâtre Forum. Le théâtre Forum est l'un des éléments du théâtre d'intervention sociale pratiqué au Burkina Faso. Son origine remonte dans les années 1982, dans l'ancienne Haute-Volta devenue Burkina Faso, où le besoin de communiquer dans la société a favorisé la création de ce nouveau type de théâtre. Prosper Comporé est l'initiateur du théâtre Forum au Burkina Faso. Passionné de théâtre, il crée la troupe Les Amateurs de Théâtre Voltaïque ATV, qui est devenu aujourd'hui l'Atelier Théâtre Burkinabé en 1978. Augusto est le père du Théâtre Forum. C'est lui qui a créé le concept Théâtre Forum dans son ouvrage Stop, c'est magique, le théâtre de l'opprimé, avec un ami qui s'appelle Carasso, Jean-Gabriel et Campana. Nous avons élaboré un projet qui s'appelait le projet Franco Forum, auquel nous avons invité Augusto. Augusto, bien sûr, il était très content, il est venu. C'était en 1990. Donc, 2 ans après la première édition du Festival de théâtre pour, du Festival international de théâtre pour le développement, qui lui a commencé en 88. Donc, en 90, Boal est venu ici et nous avons montré des pièces de théâtre Forum du Burkina, du Mali. À la question de savoir ce qu'est le théâtre Forum, la compagnie Solidarité Théâtre de Dédougou nous donne sa lecture. Le théâtre Forum est un jeu qui se déroule en 3 parties. Premièrement, c'est nous qui allons jouer pour vous. Nous, dans notre jeu, nous allons poser des actes qui vont vous séduire. Vous séduire. Qui vont vous énerver. Vous énerver. Qui vont vous traumatiser. Vous traumatiser. Vous aurez envie de monter sur la scène pour poser quelqu'un. Oh non, c'est quoi ça, un problème. C'est un jeu. Deuxièmement, c'est vous qui allez venir jouer pour nous. Vous. Vous allez venir ici, trouver des solutions à ceux qui n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes. Mm-hmm. Et troisièmement, si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les faire. Le poison silencieux, c'est le titre de la pièce. Cette pièce sensibilise sur la consommation de l'alcool frélaté. En effet, Frélaté et Mapousse se retrouvent au kiosque La Morgue de Doro, nom du gérant, où ils reçoivent la visite de l'infirmier-major du village. Ce dernier essaie de sensibiliser les 2 amis sur la consommation de l'alcool frélaté. Doro, oui, Frélaté, faut me servir. Tu penses qu'il y a quoi? D'ailleurs, il faut servir tout le monde, serre même les passants. Moi, je paye. Tu l'as dit, Frélaté. Ah. Voilà. Ok. J'aimerais que vous arrêtez de consommer ce que vous êtes en train de consommer. Hein? Cette boisson est très dangereuse pour votre santé. Je dis bien très très dangereux. Major, je pense que tu t'es trompé de lieu. Ici, je ne t'ai pas au dispensaire. C'est de moi ici. Mais quand ils vont venir chez toi au dispensaire, tu vas leur donner tes conseils là. Ça veut dire quoi ça? Non, pour bien attendre, t'entraînes là. Hein? Je vais vous dire. J'ai vrai que tout a conduit. Mais ce que vous prenez là, arrêtez de consommer. C'est du frélaté. Quand vous avez consommé ça là, ça vous détruit à petit feu. C'est un poison silencieux. Il y a toutes les têtes de moutons. J'en ai pour combien? C'est toi, tu ne quittes pas ici avec ta connerie là, quoi. Moi, je vais te frapper. Madame, votre souple là, ça ne nous intéresse pas. Nous là, avec 50 francs, notre journée est gagnée. Hein?
ne peux pas me déranger. Avec tes 4 francs, et votre journée est gagnée. Ah oui. Ça là, c'est de la nourriture, ça. C'est cette boisson qui a tué mon mari. Son jour est arrivé. Toutes mes condoléances, madame. C'est quoi ça? Quand il buvait, quel conseil n'a-t-il pas reçu de ma part? C'est quoi? Mais, hélas, mon mari, quand il manifestait sa maladie, ses lèvres étaient devenues toutes rouges. Il toussait. Il avait des maux de ventre chroniques. Vivant. Mon mari, qui était grand, gros, a commencé à dépérir. Comme si on avait mis un poison silencieux dans son corps. Je vous supplie, ne buvez pas cette boisson. Quoi? C'est faux. C'est elle-même qui a mangé son mari. On est au courant de ça. C'est à cause de ton amant que tu as tué ton mari. Oh. Sorcière. C'est à cause de nous que les gens du village ne t'ont pas chassé. L'alcool finit par avoir raison de frélater. Comme je te l'ai dit là, ça va nettoyer tous les petits microbes. Et tu vas te lever. On dirait un âne. Donc, il faut prendre. Prends cette bois. Bois! Frélater? Il y a quoi? Ma pousse. Hein? Ma poitrine. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mon ventre là. Oui. Les enjeux esthétiques utilisés dans le théâtre forum sont nombreux et diversifiés. Nous avons développé un certain nombre de techniques pour amener notre public non seulement à réagir, mais aussi à participer activement au déroulement de la représentation théâtrale et à la recherche de solutions aux problèmes qui sont évoqués dans la pièce. Donc, l'interactivité, c'est le premier aspect, j'allais dire, esthétique. Nous avons aussi essayé de développer des techniques puisant dans notre fond culturel, des techniques d'adressage, des techniques d'expression symbolique, des techniques de jeu qui, dans certains cas, s'inspirent des formes de jeu traditionnelles. Enfin, l'un des éléments, je pense, assez notables, c'est la place que l'expression chantée prend dans nos représentations théâtrales. Ces musiques et ces chants et ces rythmes confèrent à nos représentations parfois un certain lyrisme, parfois aussi une certaine forme de didactisme à travers le chant qui aide à expliquer. La troupe d'Amar de Batier, d'Amar qui veut dire propriétaire de Batier, a traité de la question du foncier. On a le partage des biens du défunt au détriment de la veuve. Ah, c'est pas moi, c'est comme ça. Ah, si tu n'as pas fait ça aussi, c'est pas bon. On est né trouvé. Voilà. Donc, ça, c'est pour toi. Tu vas prendre ces fétiches-là. Avec le dawa là, tu déposes quoi. Voilà, c'est ton fils là qui est au Ghana venu, tu lui donnes. Ça va garder la maison. C'est ça. Ah. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit là? Hein? De prendre fétiche avec dawa. Vous allez venir ramasser tous ces biens. Quelqu'un que moi j'ai souffert avec, vous allez aller ramasser ces affaires là pour venir partager entre vous. Et laissez-moi et puis mes enfants. Pourquoi c'est là? Prenez ces fétiches là, je ne suis pas dedans. Ama. Oh, Ama. Ne fais pas ça. J'ai dit, prenez tout. C'est les coutumes, ne fais pas ça. Tu vas encore créer d'autres cadavres. Ama, ne fais pas ça. Hé, Sana.
Et puis toi, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de tout ramasser et puis laisser la bœuf là comme ça? Et vous prenez fétiche là. Qu'est-ce que son fils qui de Ghana là, il a qu'à venir prendre ça? Et puis en plus, l'argent, les 600 000 que vous avez pris. Hein? Moi, je ne suis pas du tout content. Moi, Grégoire, je ne suis pas content. Mais, hé, hey, Nalé, prends. Ambassie. Mais, Grégoire, hey, toi-même, tu sais quoi? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Le thème du mariage est souvent évoqué au théâtre Forum. En témoignent ces images. Madje, Madje, bimé. Elle est bébé, là. Ah. Hey, Sana. C'est la merde! Comme ça, voilà, on va l'entrer! Sana et sa femme là, wa! Sana! Après la première partie, c'est-à-dire la pièce prétexte, la deuxième partie débute avec la forumisation. Les spectateurs sont invités à venir sur scène et à corriger une erreur sociale qu'ils ont pu constater dans la pièce prétexte. Monsieur Sana, oui. Je pense que oui. Décès de votre frère, mm-hmm. ce qu'il serait de faire, mm-hmm. c'est de récupérer d'abord, de prendre sa famille en charge. Mais et si jamais je ne faisais pas ça là, est-ce qu'on peut faire, il y a quoi qui te marie? On peut vous poursuivre. Et poursuivre comment? À la justice bien évidemment. Et puis. Et vous pouvez être emprisonné. Donc si je comprends bien, tu me dis que quand quelqu'un meurt là, on ne doit pas dépouiller tous ses biens, on doit laisser ça aux enfants. On doit laisser ça à la famille. Exactement. Vous avez encore dit que j'ai frappé la dame là et puis j'ai blessé. Je ne devrais pas la frapper. Vous pourrez être poursuivi pour coups et blessures. Monsieur Grégoire, j'ai compris. Ce que vous avez dit là, je vais respecter ce que vous avez dit. Si dorénavant là, quand quelqu'un va mourir là, Je ne vais même pas accepter qu'on va toucher à un seul de ses biens. La troisième partie est consacrée aux questions-réponses. Il s'agit de revenir sur certains aspects de la pièce que les spectateurs n'auraient pas compris. Souvent, on a l'intervention d'un spécialiste de la question traitée pour apporter plus de lumière. Par exemple, s'il s'agit d'une question de santé, l'apport d'un médecin serait le bienvenu. J'ai eu la chance, moi personnellement, de vivre ces gens de scène. En réalité, nous ne vivons sous forme de théâtre. Moi, je l'ai vécu, surtout en matière de sorcellerie. Les femmes sont beaucoup accusées pour des questions de sorcellerie, voilà, dans nos villages. Donc, le message que j'ai à passer, il faut vous dire d'abord que lorsque on travaille, c'est bien évidemment pour le bien-être de nos enfants. Et tous ceux qui dépouillent les veuves, ou les enfants de leurs biens, vous causez en même temps quelle sorte un dommage à ces enfants-là. Les spectateurs du théâtre Forum donnent leur avis sur cette pratique artistique. Le théâtre Forum, comme tout le monde le sait ici, est vraiment un outil d'intervention auprès des population, entre guillemets, que ce soit des villages, de la ville, des quartiers, etc. On essaie de jouer les situations complètement, on prend son temps, effectivement, de développer des choses. Et le peu que je vois ici, c'est qu'il y a des formes différentes. Chaque année, ils font le théâtre forum, ils viennent d'y passer l'information dans chaque lycée. Donc je suis passé voir, ils peuvent nous sensibiliser d'arrêter de fumer la drogue, prendre quelques-uns, on dit Tarmazol, bon... Il y a des élèves dans notre lycée, par exemple, qui s'appelaient Tuc Amidou. Lui, il prenait de la drogue, il a arrêté. Et effectivement, quand on suit les troupes qui sont passées, on voit effectivement donc que dans chaque pièce qui est présentée, il y a un pan du développement qui est abordé. La troupe de l'atelier théâtre burkinabé a présenté une pièce hors compétition, dénommée Le Dernier Couteau. Je te le remets. Excision, excision. Modibo, quand donc comprendrez-vous que cette pratique est nuisible à la santé de la femme? Hein? Les personnes instruites, les médecins, les religieux nous disent que l'excision doit être combattue. Cafrerie et impiété! Tout le monde sait que tout bon musulman doit faire exciser sa fille. Pas plus tard que l'autre jour, l'imam expliquait à la mosquée que c'est un acte de piété de faire exciser sa fille. Oh, dear Modibo! Ce n'est pas ce que moi j'ai appris.
Il m'a été dit que la pratique de l'excision n'est pas une obligation. Sache que la famille prendra ses responsabilités. Ou tu excises Djeneba, ou la famille s'en charge. J'ai fini. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Ah. Je vais réfléchir. Nous avons pu arrêter l'hémorragie. Alors, Amine Nera, l'excision a été très mal faite. Ça veut dire quoi? Mais comment ça? Oui, ses organes génitaux ont été gravement endommagés. Ça veut dire quoi? Il est à craindre qu'elle ne souffre de fistule. Mais quoi? Fistule, c'est quoi, madame? Hein? C'est-à-dire qu'elle ne puisse pas retenir ses urines nécessaires. Subhanallah. Pire, qu'elle ne puisse pas faire d'enfant. Astaghfirullah. Je suis désolée. Bagari, hein? Dans ce cas, moi, je n'en veux plus. Non, je n'ai pas besoin d'une fille qui urine et qui chie tout le temps. Non. Et de plus, qui ne peut pas faire d'enfant. Depuis. Pardon. Écoutez, Bakari, gardez votre fille. Non, ne nous faites pas ça. Bakari. Venez. Là, il va râler. C'est quoi ça? Hein? La vieille va te remettre. C'est moi, Patorna. Ma commère m'a dit que vous avez besoin de moi. Dis. Et la petite, comment va-t-elle? Les sorcières! C'est toi qui as excisé ma fille. Tu l'as détruite. Ton couteau sera le dernier couteau. Tu iras en prison pour répondre de tes actes. Le voilà, ce dernier couteau. Je te le remets. Je suis d'accord pour aller en prison. Mais je n'irai pas seule. Quoi? Hein? Quoi? Non. Ton mari? Ta mère? Subhanallah. Djeniba? Ça va aller. C'est pas vrai. Mon mari? Ma mère? Mon oncle? Miri Kanyeme? Faudra-t-il faire emprisonner tous mes parents? Hey, madame. Madame. Oui. Si vous faites arrêter la vieille. Faudra aussi emprisonner ses compagnons. Non, mais la loi, la loi, c'est la loi. Aïe, il y a tombé, attendez-moi, il y a rien. Oui. La compétition du concours de théâtre Forum 16e édition a pris fin avec la victoire de la troupe L'Union de la Jeunesse Fraternelle de Diébougou. Lorsque nous menons nos campagnes de sensibilisation dans la mise en scène, une fois que nous finissons de jouer notre pièce, il y a des témoignages, les publics, beaucoup se retrouvent dans notre pièce. Je pense qu'en matière de sensibilisation de masse, il n'y a pas mieux que le théâtre Forum. À la fin du concours de théâtre Forum, le président du jury nous donne une appréciation générale des troupes en compétition. Nous avons eu affaire à des troupes qui ont mis du sérieux dans le travail qu'ils ont accompli. Nous avons vu des troupes qui ont fait des efforts pour s'approprier des thèmes qui ont été divers. Nous avons aussi vu des troupes qui ont donné des thématiques qui était la réalité de ce que les gens vivent par rapport à ce qu'eux-mêmes doivent montrer aux uns et aux autres. La deuxième appréciation, c'est que nous avons eu affaire à des troupes où le jeu d'acteur devient de plus en plus quelque chose que les gens s'approprient. Troisième remarque, enfin, nous avons vu des troupes où la mise en scène commence à correspondre à ce qu'on attend au théâtre Forum. Ce sont là des motifs de satisfaction qu'il nous faut relever pour cette 16e édition. À la question de savoir si le théâtre Forum participe au changement de comportement et de mentalité des populations, nous avons été édifiés par ces réponses des praticiens du théâtre Forum. Le théâtre en tant que tel, c'est le miroir de la société. C'est l'occasion pour la société, pour les individus, où qu'ils se suivent, à quel niveau, à quelle échelle ils se trouvent. Donc de pouvoir se regarder et de faire une introspection, un mea culpa. Donc
chez nous, dans la région du Nord, et particulièrement au Yatinga, le théâtre est un puissant moyen de mobilisation sociale autour des questions urgentes, des questions qui touchent la population. Mais le théâtre aussi, c'est le quotidien de la population. Donc ça fait qu'il y a une certaine proximité, une appropriation de cet outil-là par la population, qui fait que, bon, nul doute que c'est dit, le théâtre forum en tant qu'outil de communication est un bon moyen pour aider à changer le comportement. Quand tu dis quelque chose qui ne va pas à leur faveur, déjà on te dit que non, ce que tu as dit là c'est faux et que ça doit être ainsi et que ce que tu as fait là ce n'est pas bon. Ça c'est d'abord, mais après dans le forum aussi, lorsque les gens viennent s'exprimer, c'est là qu'on comprend si le monsieur a compris ou pas. Parce que quand il a compris, il parle positivement jusqu'à changer en tout cas l'acteur a commis un mal sur scène. Après cela, il y a les réconforts aussi et les messages lointains qui nous parviennent. Parce que ça peut prendre 2 jours, sinon même 1 mois, 1 an après, quand quelqu'un te rencontre et te dit que ah, suite à ce que vous avez fait à tel lieu, vous avez joué telle pièce, voilà ce qui est tombé et comme en tout cas et récompense positive. Parce que la dernière fois, même avant qu'on vienne ici, il y a un qui nous a saisi et qui a dit que bon, la pièce que vous êtes allé jouer sur le travail les plus forts de vos enfants, ça a permis à mon enfant qui voulait aller dans les sites de ne plus partir. Je pense que pour que nous puissions dire que le théâtre forum a un impact, il faut aller vivre 5-6 ans après ce qui a été fait, le temps que les uns et les autres s'approprient ce que la troupe a joué. Le temps que la population se rende compte que le message qui a été porté est un message pour un changement radical. Notons simplement que le changement n'est pas quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est très lent. Bon. Nous, les hommes de théâtre, et de façon générale, les gens veulent la rapidité, mais tout changement de comportement est lent. Si bien que je peux dire que le théâtre forum aujourd'hui est un moyen privilégié pour faire changer les comportements des gens. Depuis 1978, c'est une action qui a porté des fruits. Et les premiers intéressés, évidemment, ce sont les populations elles-mêmes qui ne cessent de nous manifester leur reconnaissance pour les changements que le théâtre a permis d'engager dans leur localité.